Bonjour à toutes et à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. J'ai été taguée, donc j'ai été taguée par Marie-Hélène de la chaîne Marie Poppy. Ce tag a été au départ concocté par notre Clary Belle de la chaîne Clary dans tous ses états. Donc je vais répondre aux questions, voilà, je vais relever le défi. Alors première question, quel est ton loisir créatif préféré? Eh ben, je pense que c'est évident, mon loisir créatif préféré c'est sans aucun doute la pâte polymère. Je fais un petit peu de scrap, de miximédia, j'aime bien toucher à tout, mais c'est vrai que je reviens toujours de toute façon à la pâte polymère, c'est le matériau que j'adore, je ne m'en lasse pas et j'adore ça, voilà, donc je suis 100% pâte polymère. Alors la deuxième question, depuis quand et comment as-tu commencé les loisirs créatifs? Alors moi les loisirs créatifs je pense, parce que j'ai un petit peu réfléchi, je pense et je réfléchis, j'ai réfléchi, ouais ça m'arrive hein. Ça revient à très 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 longtemps, puisque quand j'étais gamine, je fabriquais mes bijoux avec des pinces à linge. Donc je pense que j'ai toujours été dans le loisir créatif, j'ai toujours aimé bricoler et faire les choses moi-même. Donc ma carrière loisir créatif, on va en profiter, je vais vous la dire. Donc j'ai fait comme tout le monde quand j'étais adolescente, j'ai fait tous les bracelets brésiliens hein, de toutes les formes, avec les noms, les prénoms et les messages, et je les ai tous faits. Ensuite, je suis passée au montage des perles, voilà, les perles Swarovski. J'adorais faire montage perles, les bagues tortues, il y avait la mode des bagues tortues, j'adorais faire ça, les sphères en perles, j'adorais faire tout ça aussi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un stage de meubles en carton, ouais, j'ai passé une semaine intensive pour pouvoir fabriquer des meubles en carton. Ça en est resté là, j'adore ça, c'était très intéressant et très très chouette. Bon, à l'époque j'avais pas l'atelier pour, je faisais ça au milieu du salon et la poussière des cartons c'était pas top top, voilà, mais je l'ai fait. Alors dans le loisir créatif aussi, moi je le mets un petit peu dans le loisir créatif, j'ai fait un stage de prothésiste ongulaire, donc fameux stage qui coûte plus de un salaire complet, je l'ai fait, c'était pour faire du artistique hein, dans les ongles. J'ai même eu d'ailleurs ma petite société il y a quelques années, mais comme moi je voulais faire du artistique dans ce domaine, je vous parle déjà il y a 7 ans, ça débutait seulement, ça n'accrochait pas encore trop les gens, donc du coup j'ai surtout laissé tomber puisque c'est mon écran qui s'éteignait, puisque j'ai eu une énorme allergie, que je suis toujours allergique à l'heure actuelle, à chaque produit que je touche je gonfle de tous les côtés, donc malheureusement ce domaine là j'ai dû laisser tomber, voilà. Après je suis sûre que j'ai fait un petit peu de tout aussi, mais c'est par parcimonie, voilà, j'ai toujours été dans le loisir créatif, j'adore ça. La pâte polymère, voilà, la pâte polymère, ça fait 2 ans et demi que j'en fais et voilà, pour l'instant j'ai pas encore arrêté. Parce que moi je commence les choses mais je les arrête et je passe à autre chose. Là c'est la première fois que la pâte polymère ça dure aussi longtemps. Donc j'espère pour vous que ça va durer encore longtemps, sinon voilà. Bon bref, alors à quel rythme fais-tu ton ou tes loisirs créatifs? Alors moi j'ai pas de rythme parce que moi c'est par période. Il y a des périodes où je fais rien pendant quelques semaines. Voilà, je suis en période fainéante, je fais rien. Et il y a des périodes où je peux passer, je passe jamais 3 ou 4 heures d'affilée parce que la santé ne me le permet pas. Donc quand j'ai besoin surtout de m'évader, je rentre dans mon atelier, je patouille ou voilà, je fais pendant un quart d'heure, une demi-heure, puis je reviens devant mon ordinateur, je fais autre chose, je reviens ici, je repars. Et c'est par période et par jour, voilà. En général, je suis beaucoup plus créatif le dimanche après-midi, je suis tranquille, j'en profite. Et je suis très vidéo créatif, donc je fais les tutoriels ou les montages vidéo et tout ça le lundi, voilà. Après, le restant de la semaine, j'en fais, mais c'est parcimonie, parfois pas du tout, c'est vraiment the période, ça dépend.
Alors, crois-tu que tu pourrais vivre sans ces loisirs créatifs? Je pense que oui, je pourrais vivre sans ces loisirs créatifs, mais parce que j'ai eu des périodes où j'en avais pas, hein, voilà, j'ai eu des périodes pendant 2-3 ans, je n'ai pas fait d'hobby, parce que moi c'est un hobby pour moi, donc de loisirs créatifs, mais finalement, en fin de compte, j'y reviens naturellement, parce que, voilà, pour quelque chose ou pour quoi que ce soit, j'y reviens. Je reviens pas forcément. Là maintenant, je reviens à chaque fois sur la polymère. Mais voilà, je m'informe pas forcément, mais par hasard, une copine ou je vois quelque chose sur Internet ou sur Facebook et puis je me dis, ah tiens, oh c'est une idée, c'est sympa, je vais peut-être essayer. Puis ça cogite et puis en fin de compte, j'y reviens, loisirs créatifs. Voilà, mais bon, je suis pas accro parce que voilà, je vais partir 3 semaines en vacances. Je ne vais pas prendre du loisir créatif avec moi, j'ai autre chose à faire. Au contraire, plutôt profiter des amis et de la famille. Donc voilà. Alors, quelles sont. Ah oui, la 4, la 5. Quel serait ton plus grand rêve en rapport avec tes loisirs créatifs? Alors, mon plus grand rêve, j'ai un très très beau rêve dans ma tête. Alors, je ne vais pas tout vous dévoiler puisque pour l'instant, il est toujours dans ma tête. Je n'ai même pas encore commencé à l'écrire sur papier. Mais voilà, j'aimerais être en groupe de personnes qui aiment le même loisir créatif que moi pour pouvoir s'échanger. Nos idées, notre matériel, pas forcément donner des cours ou faire des stages, hein, voilà, faire des rencontres derrière la polymère. C'est un de mes plus grands rêves et j'ai plein d'autres rêves, mais pour l'instant je vous en parle pas trop parce que je sais pas s'ils vont se développer ou pas. Vous verrez bien dans l'année qui suit. Hein. Voilà, j'ai plein d'idées dans ma tête, mais des idées encore un petit peu secrètes, mais j'ai des belles idées. Ouais, j'ai des belles idées. Je vous en dis pas plus. J'espère qu'elles se réaliseront et que je pourrai vous en parler. Alors, quels sont tes créateurs ou autrices préférés et pourquoi? Alors, j'ai deux sortes de créateurs-créatrices. Donc, je vais parler des premières créatrices parce que moi, c'est des créatrices. Qui sont pour moi comment dire ce mot? Qui sont pour moi je ne pourrai peut-être jamais les rencontrer ou leur parler vraiment, voilà. Donc la première créatrice que moi j'adore, c'est Hélène Jean-Claude, voilà. Je pense que vous le ressentez dans mes créations. J'adore cette créatrice. Pour moi, c'est mon mentor. C'est mon mentor sur la polymère. Elle me donne des idées de fou. Elle fait des tutoriels de fou. J'adore. J'adore. Et la deuxième créatrice qui m'inspire énormément, ben c'est Fancy Puppet, puisque elle s'inspire aussi parfois. Jean-Claude, et elle a des idées de fou aussi. Donc ça, c'est vraiment mes deux créatrices pour moi inaccessibles entre guillemets, waouh, que j'adore. Alors la deuxième partie, les créatrices que j'adore, ben, c'est plutôt des amis qui sont dans le même domaine que moi, auxquels je pourrais passer toute une journée derrière un café et derrière ma planche de polymère. C'est voilà, c'est Marie-Hélène, c'est Clarisse, c'est les deux Élodie, c'est voilà, c'est des créatrices que j'adore parce que c'est des créatrices où je peux papoter avec derrière dans mon atelier et partager le tout et le rien et qui sont au même niveau que moi. Voilà, je veux dire, voilà, il n'y a rien de plus. Voilà, toutes mes créatrices. Alors, si tu avais le choix entre un voyage et la même somme en achat pour tes loisirs créatifs, que choisirais-tu? Alors, sans hésiter, le voyage. Alors, pour quelle raison? Parce que le voyage, c'est le voyage qui t'inspire. Non, mais voilà. Qui va refuser un voyage dans les Baléares? Si on vous offre un voyage dans les Baléares, ou en Amérique, ou au Canada, ou au Québec, au côté du loisir, enfin, du matériel loisir créatif, moi, il n'y a aucun. Moi, j'y vais dans le voyage. Je profite du voyage, je reviens et je vais faire mes emplettes dans ces pays. Alors,
Irais-tu jusqu'à dire que tes loisirs créatifs sont plus importants que tout? Non. C'est pas plus important que tout. Disons qu'ils m'aident énormément dans ma santé. Ça m'aide à m'évader. Parce que dans ma santé, voilà, quand on a des douleurs et tout ce qui s'ensuit, ça m'aide beaucoup à m'évader. Mais ils sont pas forcément indispensables. Ce qui est indispensable, c'est notre vie privée et puis tout ce qui s'entoure. Et le plaisir, c'est le loisir créatif. Alors, si tu avais 100 euros à dépenser de suite, qu'achèterais-tu? Alors, j'ai un projet d'acheter que je vais acheter, que vous verrez dans quelques semaines pour mon anniversaire. Sinon, si on me donnerait 100 euros, ben, moi, ce serait pour des plaques de texture souple, parce que je n'en ai qu'une. Voilà, je ne m'achète pas énormément de loisirs créatifs, étant donné que j'ai aucun budget dans le loisir créatif. Voilà. Donc, je m'achète par parcimonie, j'essaie de trouver beaucoup d'occasions, ça, ouais. Et ouais, voilà, ce qui me manque, c'est des plaques de texture souple, des tampons clear ou des tampons, voilà, des plaques de texture souple qui peuvent servir en tampon dans le scrap, qu'en tampon ou en plaques de texture dans la polymère. Donc, la dernière question, quelle créatrice vas-tu taguer? Donc, je vais taguer deux créatrices. Créateur, mais là c'est des créatrices. Je vais en taguer deux, étant donné que j'ai demandé à Claribel combien je pouvais en taguer, et elle m'a dit le nombre que je voulais. Donc, bon, j'en ai tagué deux. Donc, la première, elle fait partie du cercle de Clary. Donc, je ne la connais pas. Je la connais depuis quelques semaines. Je la découvre de jour en jour. Voilà, j'ai été voir ses petites vidéos, ça m'a l'air super sympa. Je vois qu'elle fait de très jolies créations, donc je lui offre ce tag tout simplement parce que j'ai envie de la découvrir. Voilà, j'ai envie de découvrir qui elle est, et voilà, c'est tout simplement pour ça. Donc, je tag Elodie de la chaîne Fimo Hello, la fée chatouille. Voilà, je te tag, ma belle. Je veux connaître. J'adore ton accent du sud en plus, donc je veux connaître. J'ai envie de te connaître mieux. Et j'avais envie de taguer une autre personne. Ça, c'est plutôt pour tout le monde, parce que je crois que tout le monde pourrait être intéressé. Et j'ai envie que ce tag fasse un peu plus le tour, et dans les plus grosses chaînes, on va dire. Je vais taguer Nathalie de la sphère créative. Parce que Nat. Je t'adore, j'adore ton travail, j'adore ce que tu fais et je suis sûre que tu peux nous apporter plein de chouettes réponses à ce genre de petits tags. Je pense que tu seras capable, enfin je pense que tu... J'espère que tu vas jouer le jeu, ça me ferait plaisir, ça nous ferait plaisir. Alors je sais très bien que ben, malheureusement t'as pas de chance, t'as plus de vidéo, enfin t'as plus de caméra. Donc, pour filmer le tag, ça va peut-être pas être facile. Par contre, je te propose quelque chose. Ben, fais-nous le tag lors d'un prochain live. Voilà. Lorsque tu nous fais un live créatif, parce qu'on espère tous bientôt un live créatif, ben, tu profites de répondre aux 10 questions. Ça peut être sympa. Ça peut... Enfin, je ne sais pas. C'est toi qui vois. Hein. Bien sûr, chacun a son choix. Voilà. Ben, j'espère avoir fait le tour. J'espère que j'ai pas trop. Je vous ai pas trop saoulé. C'est moi, ça, je papote parfois. Et... Voilà. Si vous aimez ce genre de petite vidéo, ben voilà. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à me le dire si vous aimez bien découvrir un petit peu plus de choses de moi. Ça peut être sympa. Voilà. C'est bientôt les vacances. En tout cas, c'est les vacances. On est en plein mois de juillet-août. Donc, la chaîne prend officiellement des vacances. Donc, pendant 3 semaines, je ne pense pas vous mettre des vidéos parce que je n'ai pas d'ordinateur portable, donc je peux pas vous emporter avec moi. Donc, officiellement la chaîne est en vacances. Et puis ben, je vous fais plein 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 de gros bisous. N'hésitez pas à partager, à liker, à faire vivre la communauté Mivacréa. Et bye bye.